Alors, elle m'a dit, tu te débrouilles Sandra, mais il faut que tu t'habilles genre, faut que ça fasse Noël. Parce que c'est la recette de Noël. Alors, bon, moi j'ai pas de vêtements de Noël. Et puis, du coup, tu vois, je vais mettre un collier de Noël et des boucles d'oreilles de Noël. J'espère que tu seras contente parce que sinon, je vais encore prendre. Bonjour mes chers Nutriconscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, sans lactose et sans gluten, des petites boules de Noël. C'est parti, je vous montre ce dont vous avez besoin. 150 g de poudre d'amande, 100 g de fécule de maïs ou pomme de terre, 75 g de margarine, 30 g de sucre, un œuf, une vingtaine de cerneaux de noix, de la fleur d'oranger, du sucre glace et une huile neutre. On mélange le sucre avec la margarine. On y ajoute l'œuf. Je continue le mélange au batteur. J'y ajoute l'eau de fleur d'oranger ainsi que la poudre d'amande et la fécule de maïs ou de pommes de terre. Évidemment, vous avez allumé au préalable votre four à 180 degrés. Vous avez vu, ça fait une belle pâte. Hop! Une belle pâte, comme ça. Je prépare une plaque de cuisson avec une plaque de cuisson, tout simplement. Préparer nos boules. Donc, je vais mettre un demi-cerneau de noix dans chaque boule. Ça va être sympatoche. Je les enfourne à four chaud 180 degrés, une douzaine de minutes. Elles sont cuites, chaudes, je les trempe dans l'huile et ensuite dans le sucre glace et ça deviendra un escargot tout chaud. Le résultat, le voilà, j'imagine que c'est plus ça qui vous intéresse que ma face. Tenez, ça sent bien mes boules, hein. Vous pouvez les conserver dans une petite boîte en fer et les réaliser donc une semaine avant Noël. Comme ça, vous prenez un petit peu d'avance, surtout quand vous faites plusieurs sortes de gâteaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en dessous dans les commentaires si vous connaissiez cette recette et qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire comme biscuit pour Noël, pour les fêtes, pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour vos convives ou tout simplement voilà pour vous faire plaisir. On se retrouve tout bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous mes chers Nutriconscients. Bye bye.